Sénégalaise, Congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso. Général Tiou Isongesa Christian poursuit sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023 les unités des FARDC basées à Luanga et à Lupango, au nord de Sake, dans les territoires de Masisi. Sur place, un briefing sur la situation générale dans cet axe a été présenté au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes à plus ou moins 14 km au nord de la ville de Sake, dans la localité de Luanga, où le chef d'état-major général est venu personnellement poursuivre sa mission de commandement, d'inspection et d'évaluation des opérations de la province du Nord Kivu. Sa présence ici à la ligne des fronts vient rehausser les morales des militaires déployés sur cet axe. C'est juste une ou deux minutes et puis bozo ngela misala na bino. Na memeli bino message ya mokonzi ya mboka, président na biso Félix Antoine Tshisekedi, ya ko encourager bino mapinga bo résister bo zape na front pe na première ligne. Donc tenez bon, d'ici là babilo ko nyonso ko sila tokozo ngela mosa na biso ndenge izalaka. Na minute oyo ba difficulté nyonso boza na yango. Bon verset ngwe pa ya commandant, ya opération, c'est lui-même le gouverneur. Comme ça, tu trouves solution rapide. Après Luanga et Lupango, le chef d'état-major général a visité Mubambiro, Asake, puis Rusayo, dans les territoires de Niragongo. Le général Tio a terminé sa tournée par les quartiers généraux de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Nyaga, commandant de cette force. Ces derniers confirment les retraits des RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Masisi et de Rutshuru, notamment Kiroliro, Kichanga, Mueso, Mushaki, Kibirizi, Bambu et autres. Pour le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires des FARDC d'observer une vigilance tous azimuts en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par les Grands Nord. Après le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri. Et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qui l'a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Sake. Donc de Sake à Rusayo. Le réarmement moral des unités, vous savez, nous venons de connaître une trêve qui nous a amené donc au cessez-le-feu que nous observons. Donc, les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées. Ils sont en alerte, ils doivent être armés moralement pour se tenir prêts. Le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Christian Tshuwewe, a effectué sa première mission officielle d'inspection des troupes et de commandement ce 7 avril 2023 en Ituri.
Aussitôt atterri au tarmac de l'aéroport national de Bounia, le numéro 1 de phare de CRSI, deux honneurs militaires, digne de son rang. Pendant environ deux heures, le chef d'état-major général de FARDC a présidé une séance de travail où ont pris part deux gouverneurs militaires de province sous état de siège, le sous-chef d'état-major chargé des opérations et l'ensemble de la crème militaire au niveau national, ainsi que le commandant des grandes unités engagées dans les opérations contre les groupes armés locaux et étrangers, à l'occurrence les ADEF de la province de l'Ituri. Ce briefing opérationnel a été axé autour des directives et instructions claires émanant du commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour galvaniser la troupe et mener à mieux les opérations militaires avec succès, en vue de restaurer l'autorité de l'État, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, commandant des opérations à Ituri. Et donc aujourd'hui, il est venu ici non seulement pour s'assurer de l'exécution des ordres, et aussi contrôler, arriver sur place, contrôler, inspecter les unités qui sont ici présentes, communiquer avec les commandants tactiques, opératifs d'abord que nous sommes, et tactiques qui sont les commandants secteur et les commandants régiment. Et donc aujourd'hui, il a pu avoir, n'est-ce pas, toutes les informations par rapport aux approches que nous avons prises, notamment, comme vous le savez, l'approche militaire, l'approche non militaire, et il a fait des correctifs aussi en tant que commandant. Il nous a donné des nouvelles instructions de sorte que les opérations puissent, n'est-ce pas, être menées à bon port. Reconnu pour son endurance du travail avec abnégation que le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Christian Tshiwewe, accompagné de son état-major, a embarqué pour Goma dans le Nord Kivu. Question d'urgence opérationnelle. Après la mission d'évaluation des opérations conjointes UPDF-FARDC à Beni, le chef d'état-major général des FARDC est à l'étape de Goma depuis le vendredi dans la soirée. Ce samedi 8 avril 2023, le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha a consacré la journée à une réunion marathon d'évaluation de la situation sécuritaire en province avec les commandants des grandes unités qui défendent l'intégrité territoriale au Centre de coordination conjoint des opérations CCO, avec à ses côtés le commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kangwa, qui revient ici sur cette séance de travail. Le chef d'état-major général a poursuivi en Ituri, donc à Bounia, cette même évaluation. Et il se retrouve à Goma, et il a aussi des évaluations à faire sur place ici, avec les commandants des grandes unités. Raison de cette réunion, maintenant le chef d'état-major général a terminé avec cette évaluation. Il séjourne encore avec nous ici pour certaines visites aux unités et surtout à nos malades et blessés dans des hôpitaux. Retenez que le chef d'état-major général, le lieutenant-général Christian Tshiwewe Songesha, poursuit son séjour à Goma et d'autres programmes de son agenda restent à découvrir selon notre source. Les forces armées de la République démocratique du Congo a posé sa signature pour autoriser son armée FARDC à poursuivre les opérations à côté de l'UPDF. Même exercice du côté UPDF avec la signature du chef d'état-major général qui a engagé aussi son armée à continuer cette collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Profitant de son tout premier voyage à Beni, après sa nomination à la tête de l'armée congolaise, le patron des FARDC a visité plusieurs positions militaires dans la zone opérationnelle Sokola 1 Grand Nord. Accompagné du gouverneur des provinces, du commandant 34e région militaire et du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le patron de l'armée congolaise a eu droit à l'explication sur les réalités du terrain. Après Païda, l'état-major du secteur opérationnel, la délégation est allée visiter les bataillons spéciaux canines formés à Kisangani par des spécialistes. Cette unité a fait des démonstrations pour prouver de quoi ils sont capables. Oscar, envoyez les chiens. Oscar, attends.
Rappelons que c'est cette unité qui a mené beaucoup d'opérations ici dans la ville de Beni pour dissuader, détecter les bombes posées par les terroristes ADF-MTM et aussi dissuader les manifestants dans la ville de Butembo. C'est ce vendredi 7 avril 2023 que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et sa suite ont pris le vol direction Goma. Les acquis de l'état de siège produisent à ce jour des résultats visibles pour avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise. Le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis en grade et fonction 4 officiers qui ont presté avec amour et engagement dans cette province. Il s'agit du commissaire divisionnaire principal Alonga Boni Benjamin, commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyo, Meteni à la tête de la PNC. En Ituri, le maire de la ville de Bounia en qualité du commissaire provincial de la PNC au Kassai central et enfin du commissaire divisionnaire adjoint Israël Kantou Bakoulou comme commandant de la Légion nationale d'intervention. Une réception a été organisée ce mercredi à l'honneur de Nomini. Occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, de témoigner de son sens de collaboration qu'il a caractérisé avec le vice-gouverneur sortant. C'est un jour où nous disons au revoir à un grand officier qui était avec nous ici, avec qui nous avons évolué, avec qui nous avons passé des moments de sacrifice et des moments de joie aussi. Et donc, c'est un grand jour parce que c'est un jour de reconnaissance du travail que nous avons fait ici à Ituri. Pour sa part, le nouveau commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Alonga Boni Benjamin, a appelé la population de cette province à œuvrer toujours pour la recherche de la paix à Ituri. Je serai interprète des gens qui se battent pour la paix. Mais de grâce, changeons notre mode de vie. Respectons la vie des autres. On ne sait pas travailler sans la paix. Toutes les richesses que regorge Ituri peuvent booster l'économie de l'Ituri au ricochet de la République. Comme vous pouvez le constater, cette mesure exceptionnelle mérite d'être soutenue par tous afin d'atteindre l'objectif de son instauration, celui de la stabilisation de cette partie du pays. Poursuivant sa visite de travail au camp lieutenant-général Bauma à Kisangani, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Marcel, a présidé une réunion à l'intention des instructeurs congolais et kenyens ce mercredi 5 avril 2023, de 10h à 11h sous une pluie battante. Il a à cette occasion appelé les cadres à une prise de conscience dans l'exercice des tâches qui leur sont dévolues. Les deux nations sœurs comptent sur votre capacité à bien former ces jeunes, a-t-il dit aux instructeurs. Notez qu'à son tour, le général de brigade, Mputela Bertin, s'est adressé à l'assistance. La vie en général et cette coopération entre l'armée et l'armée. 3 semaines. Ça, c'est quoi? Nous sommes maintenant à la 4e semaine. Et c'est la formation proprement dite. Mon général, j'ai apprécié pendant les 3 semaines votre travail. Il y a une bonne collaboration. Puisque à l'heure de part, nous avons encore un plus de la formation auprès de nos musées. Qu'il pleuve et qu'il neige, il y a toujours la formation. Plus qu'un militaire devant la pluie, ce n'est pas un obstacle. Merci beaucoup. Assez.
Tout après la réunion, une visite guidée des installations du Cap Bauma a eu lieu avec tous les cadres, commençant par la machine de traitement d'eau, la pharmacie, les dortoirs des instructeurs ainsi que le bureau. Enfin, le commandant de la 3e zone de défense a terminé son séjour au champ de tir où il a formulé des remarques aux responsables des unités chargées de la formation de recrues. Et une photo de famille avec les instructeurs a scellé cette visite. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de monter en puissance, surtout dans son volet formation et entraînement. C'est dans cette optique que les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangouma Chita Marcel, a effectué une visite d'inspection et de commandement au centre d'entraînement lieutenant général Bauma à Kisangani ce mercredi 5 avril 2023 pour évaluer l'état d'avancement des entraînements militaires assurés par les instructeurs kenyans. Reçu à son arrivée par le commandant groupement des écoles et centres d'instruction, le général de brigade Bertin Poutela et les commandants des écoles d'infanterie du Kenya, le général de brigade Kimpia John, les commandants 3e zone de défense a présidé une parade militaire. Il a appelé les militaires à la discipline qui devra caractériser ceux-ci, partant du recrutement jusqu'à la retraite, mais aussi être assidu à la formation. Montez les sous-sous. Ali, lieutenant général Mbangu Mashita Marcel. Nazali, commandant de la 3e zone de défense. Tango bokomi awa. Boye baete, eloko ya malonga oyo bokoki kosala poza la soda ya pikiliki ezali nde formation. Dozoyo kana. Ezali nde formation na tango bazo mema yo na terrain kuna pona koyekola eloko kosala lokola soda landela matei olingi bozwa experience mususu ya bandeko na biso bauti musika pona koya kosalisa biso esengeli bino bozala exemplaire bolakisa baninga na bino ke effectivement bozwaki mateya komela bangi te o nde esala na mutu. Mutu eko sala malamu te. O kende na yo na terembo ntaba. Tozo yo kana. Pekise malamu ezalinde discipline. Nde eko kamba yo malamu. Pekise malamu ezalinde discipline. Nde eko kamba yo malamu. Natango yo bandi musala na yo. Tina mukolo yo kubima. S'adressant aux instructeurs kenyans, le lieutenant général Mbangu Marcel s'est exprimé en anglais en ces termes. To be around here, I was part of this initiative, especially of General, about what we needed to get from you. You are already on the ground. You have these boys count up on you. We count up on you. It's gonna be the first ever experience. And you may already understand or know the challenge. You'll appreciate. You will be satisfied. You will be very happy to learn that these boys and girls you trained are doing what you expect them to do tomorrow. I respect them. Because when we talk about discipline, we do not mean juniors only respecting seniors. We also mean seniors respecting subordinates via the consideration of what they are providing. Are we together? Yes, sir. Are we together? Yes, sir. You are the one to have the general.
Dans la matinée de ce jeudi 6 avril 2023, à Kalemi, le commandant 22e brigade de réaction rapide, commandant des opérations Oussalama, le général Dunia Kashindi Fabien, a visité le site de la RVA, occupé jadis par les contingents de la MONUSCO, endommagé sous un vent violent provoqué par une pluie diluvienne. Arrivé sur place, l'homme de terrain a fait un état de lieu général sur les dégâts causés par la pluie à cet endroit, faisant un bilan de 6 blessés et plusieurs maisons ravagées. Dans ce parcours, l'autorité militaire a signifié aux victimes sur place qu'il s'agit d'une circonstance naturelle et a apporté des solutions de bord pour l'abri des éléments phares d'essai. On n'a pas encore enregistré un mort. On a des blessés qui sont graves et des blessés légers qui ont été évacués par l'ambulance, les autres sous la pluie. Et on continue encore à évacuer et pour la prise en charge au Sikibé, au niveau de la cité, là où il se trouve, le poste médical opérationnel d'Opération Salam. On ne doit pas aller aux spéculations. Ce qui est vrai, il y a eu un cyclone qui est passé. Et ce cyclone a causé des dégâts matériels. Et c'est à nous de gérer ces dégâts matériels et des dégâts humains. Pour les dégâts matériels, on aura arrangé le site. Et les dégâts humains, on prend en charge le blessé, c'est tout. Sans tarder, dans sa jeep de commandement, il s'est dirigé à l'hôpital militaire Semoa, type A de la 22e brigade de réaction rapide, situé au quartier Katamboa, à la place Tatanabana, d'où il a procédé également à la visite de cette structure sanitaire, notamment la salle de malade, la cuisine et le laboratoire. Enfin, s'en est suivie la remise, au nom du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian, chef de l'armée congolaise, d'un kit médical s'agissant des produits pharmaceutiques et des lits aux patients par le canal du lieutenant-docteur Léon-Richard Lukumbilo, responsable de la dite structure. Sur instruction de la haute hiérarchie des FARDC, le commandant 22e brigade de réaction rapide a mis un accent sur la bonne gérance de ces derniers au profit des bénéficiaires militaires tant civils. Elle m'avait donné des instructions très, très strictes pour que tous les militaires qui sont blessés au front, qui sont blessés dans des conditions telles que nous venons de connaître aujourd'hui avec la garde républicaine, soient pris totalement en charge. Ce n'est pas un militaire disant que non, on lui a coupé des francs pour acheter tel produit. C'est là qu'on ne doit pas entendre, même les chefs d'état-major général ne peuvent pas entendre ces histoires dans ses oreilles. Après un séjour de travail dans la ville-province de Kinshasa, le commandant du secteur opérationnel Nord-Équateur, le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac, a regagné le vendredi 7 avril la ville de Gemena à bord d'un vol régulier de la compagnie Congo Airways. Depuis sa prise en fonction le 30 novembre 2022, 100 jours ont suffi au général-major Kisebwe Lamousseni Isaac à procéder à l'évaluation d'efficience de la sécurité de nos frontières liquides et celle de la population et de l'air bien dans l'espace nord-équateur, mission du reste dévolue à son commandement. Grâce à son sens élevé de la discipline, à sa rigueur dans le travail et surtout à son côté humanisme, le général-major Kisebwe Lamousseni Isaac a sans ambiguïté implémenté la vision du commandant suprême des forces armées et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mobilisation à la défense de l'intégrité de notre territoire national. Actuellement, dans l'espace nord-équateur, la relation entre l'armée et sa population est au beau fixe. Le fameux médecin militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fêté la clôture du mois de la femme le vendredi 7 avril 2023. L'espace India, situé dans la commune de la Gombe, a servi de cadre à cette manifestation. Cette cérémonie a été destinée à la consolidation de relations professionnelles et de fraternité au sein de la famille de médecins. Dans son adresse, le commandant adjoint du corps de santé militaire, chargé de la planification, études et techniques, le général-major Capé Kaloumé Jean-Jacques, s'est dit fier d'être associé à la cérémonie. Il a par la suite rappelé aux femmes médecins l'importance du mois dédié à la femme. Les activités de la femme ne se terminent pas à l'année.
La femme doit montrer ses capacités et ses compétences par sa façon de travailler pour un avenir meilleur de l'humanité. Le 8 mars, pour moi, ne représente pas non plus seulement les droits de la femme. Le mois de mars, non plus, mais c'est toute l'année et tous les jours. Vous devez, en principe, ne pas lutter pour les droits de la femme. Vous devez les prouver par votre capacité, votre manière de travailler, d'équivaloir à l'homme. Vous le méritez d'abord puisque vous êtes médecin comme nous, donc vous n'avez pas à vous battre, à vous bousculer. Au terme de cette manifestation, le docteur Iye Kombangou Blanche, médecin généraliste à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, a déclaré ce qui suit. Comme ici pour la clôture du mois de la femme qui a été organisée à la tête de notre hôpital militaire central de Kinshasa. Je dirais à toutes ces femmes que le mois de la femme, ce n'est pas seulement par rapport au pagne et faire des abus. Il faut avoir une tête, il faut travailler, c'est pour l'avancement de notre pays. Donc on peut se battre à côté des hommes, on peut prendre la place des hommes, c'est ce que je peux dire. Une soirée dansante a marqué la fin de cette cérémonie.